Je vous en prie, aidez-nous. Notre chef est encerclé par des monstres dans les catacombes, sous l'acropole. S'il meurt, le reste du monde pourrait subir le même sort. Je vous en prie, allez sous le Parthénon et sauvez-le, vite! Mystérieux guerrier, en me sauvant la vie, vous avez fait bien plus que vous ne le pensez. Je suis le chef de l'ordre de Prométhée à Athènes. Nous sommes un ordre ancien chargé de protéger le royaume des mortels. Ce que vous avez entendu est vrai. Celui qui se cache derrière ces monstres est un être puissant, un esclave des titans, appelé Telkin. Les titans appartiennent à une ancienne race de dieux, bien plus vieux que Zeus et ses frères. Autrefois, ils avaient un pouvoir absolu et toutes les créatures suivaient leurs règles. Mais les dieux créèrent les humains et nous dotèrent d'intelligence. Nous avons défié les titans à plusieurs reprises car ces derniers voulaient nous exterminer. Les dieux ont résisté, refusant de laisser leur plus belle création être détruite, et une grande guerre s'en est suivie. On pensait que les titans seraient victorieux, mais quelques guerriers et héros valeureux aidèrent les dieux qui bannirent les titans dans le royaume de l'oubli. Nous pensions que tous les Telkin avaient été bannis eux aussi, mais nous devions nous tromper. Le Telkin est désormais en route pour Knossos, sur l'île de Crète. Nous pensons qu'il veut détruire un artefact sacré que nous protégeons depuis une éternité. Cet artefact nous permet d'être en contact avec le royaume divin. S'il était détruit, je ne sais pas ce qui pourrait arriver. Vous devez l'en empêcher. Retournez sur les docks d'Athènes. Un des agents de l'ordre vous fera passer en Crète. Vite ! Le sort du monde est entre vos mains. C'est toi que Phèdre envoie ? C'est toi qui l'envoie à Knossos ? Incroyable ! Je suis l'agent prométhéen dont il t'a parlé. Phèdre sait ce que le Telkin a fait à ma famille, mais il ne veut pas que je me venge de lui. Au lieu de ça, il t'envoie toi et me confie une mission à l'Est. Je n'ai d'autre choix que de suivre ses ordres, mais j'espère que Phèdre sait ce qu'il fait. Je vais donc te souhaiter bonne chance. Ce Telkin trouvera la mort d'une façon ou d'une autre. Je vais te montrer ton bateau.